aux téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pasteur, je suis avec mon frère Norbert Chéri. Bien bonjour mon frère, qui j'ai ressenti qu'on s'en fout. Ah, mon bien, depuis ces paroles, bon Dieu, pour nous prêcher, mon bien. Ah, oui, parce que parole a vivant et mon cas béni aussi tous ces téléspectateurs qui là et puis nous, comme des autres qui sont attentifs et puis parole, bon Dieu, qui fait affaire. C'est très important. Ça nous a fait, ça nous a fait, comme nous savons qu'un petit un foyer qui a gardé, qui a branché. Nous avons des autres dit être en connexion et puis nous communions, nous avons prié tout de suite pour nous déposer, moment nous, en la main de Dieu, parce que nous savons que Jésus dit que sans lui, nous pas ça fait rien. Papa, nous disons merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour KMT. Merci pour tout le monde, tout partout, quelles que soient les îles, pays, l'Aïe, Yokawe, émission Tala, quel que soit, Dieu fera. Nous avons béni nous avons merci pour une telle opportunité que nous avons nous. Et nous avons vraiment merci. Merci pour Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix du calvaire pour pardon, péché, nom. Merci pour Saint-Esprit qui a quitté nous. Et merci encore, Seigneur, pour KMT. Merci pour Frère moi, Norbert, moi-même. Nous avons déposé toute bagaille en la main et nous avons prié surtout pour les âmes qu'il a, pour les gens qu'il a, les gens qui ont besoin, les gens qui ont besoin de guérir, qui vous a délivré, qui vous a sauvé, moun qui vous a allé encore plus loin et puis où, et puis moun qui pas connaît tout, qui vous a connaît tout, nous allons déposer toute bagaille en la main, en nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Voilà mes amis. En tout cas, merci d'être fidèle à cette émission, quel que soit Dieu fera. C'est une émission proposée par l'Alliance des évangélistes. Hein, et vous avez vu chaque jour, vous avez de différents serviteurs qui entrent chez vous par votre permission, puisque vous nous laissez entrer et nous vous remercions de nous accueillir. Alors, vous savez, c'est Jude Micard et c'est mon frère Norbert Chéri, deux serviteurs ce matin pour vous servir. Et ce matin, ce dont nous allons parler, mes amis, c'est des conditions. Des conditions pour être guéri, des conditions pour être délivré, des conditions pour être sauvé. D'accord? Dans tout, il y a des conditions. Mes amis, il n'y a rien sans conditions. C'est très important. D'accord? Et c'est pourquoi ce matin, avec mon frère, le temps qui nous est imparti, on va vraiment partager avec vous. Et à la fin, on va laisser un petit moment à la fin pour ceux qui veulent nous appeler. D'accord? Ceux qui veulent nous appeler, soit pour donner leur vie à Jésus, parce que c'est très important. Des fois, on a des personnes qui appellent pour la guérison, c'est bien. Pour être délivré, c'est bien. Pour un souci matériel ou encore même au niveau patrimoine, c'est bien. Mais nous aimerions que des personnes nous appellent aussi pour nous dire que là, j'appelle, j'ai été touché et j'appelle pour donner ma vie à Jésus. Amen, amen. Ça veut dire pour me repentir. Et l'émission ce matin, c'est fait pour ça. C'est très important. Alors, mon frère Norbert, j'allais dire que la première chose que nous allons dire aux personnes qui nous regardent, Dieu ne doit à personne, ça va peut-être étonner, mais Dieu ne doit à personne ni guérison, ni salut. Dieu ne doit pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que hier soir, je regarde un verset que je vais partager avec toi, mon frère Norbert, et aussi avec les amis qui nous regardent. C'est dans Exode. Exode 33, et je crois que c'est le verset 19. Mes amis, écoutez ça. Là, nous sommes dans les conditions pour être guéris, délivrés, sauvés. Mais juste un verset, lorsque Moïse avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Voilà ce que Dieu répond dans Exode 33, 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Et puis il dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Ça veut dire que bon Dieu pas doué personne. C'est ça. Peut-être que ça peut étonner un des mondes qui nous a dit ça. La Bible dit que je fais grâce à qui je fais grâce. Ça veut dire que tu peux avoir toute une foule de personnes là malades et que Dieu décide de guérir deux d'entre eux, amen. Il fait grâce. Et mon frère Norbert. Oui, et nous chrétiens, nous comprenons ça. C'est pour ça que nous savons que, quel que soit Dieu qui a fait, qu'il ait prolongé la vie de nous, qu'il ait prolongé, qu'il ait mené nous au ciel, qui a fait. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Ah,
Bon Dieu, c'est bon Dieu. Amen. Et nous savons que malgré tout ça, c'est grâce là, malgré parole, ta grâce là, parce que c'est quand même la vie qui a bas nous. C'est en disant lui-même nous qui a rentré. Tout ça, bon Dieu, là, il a fait grâce à qui il a fait grâce. Il a fait miséricorde à qui il a fait miséricorde. Et c'est pour ça que de là, nous avons ouais, que méchant même, avoir une mort, bon Dieu peut toucher. Amen. Et ce cas quoi, vous avez fait un bagage qui est mauvais, mauvais, puis bon Dieu, pas fait rien bon. Non. Grâce lui là. Et si maintenant qui est plein d'orgueil là, qui comprend qu'il sait bon Dieu. Ouais, ça dommage bien. Ça dommage bien. Mais nous avons dit, fais vite pour y prendre aujourd'hui. Oui, prendre quoi. Alors, mes amis, vous avez compris un peu la thématique aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire à quelqu'un qu'il y a des conditions. Mais au-delà des conditions, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Oui, c'est ça. Au-delà des conditions, Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et ça sera par rapport au premier passage qu'on va toucher. C'est dans l'évangile, et c'est mon frère Norbert qui va le lire. Oui. L'évangile de Marc, chapitre 2, les versets 3 à 12. Oui. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit. » et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de Paris. Amen, 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 amen. Quelle grâce. Merci, frère, pour lecture. Ça sent belle lecture. Et rien qui lecture, soit nous quand on a dit non, lecture, toute journée, on va passer. Ah oui, ça parce que Nian Loba est pour dire. Ça, c'est vrai. Mais ça nous l'est dit à travers le passage Tala. Comme nous dit que thématique, nous, c'est les conditions pour être guéri, pour être sauvé, pour être délivré. Dans le premier passage Tala, si nous regardons les gens qui ont handicapé, ils pas fait ailleurs. Et ça, très important pour les téléspectateurs de comprendre. Il y a plusieurs conditions. Nous dit que Dieu a fait miséricorde à qui a fait miséricorde. Et là, nous avons étudié le passage là, que nous sortis il y a. Nous croyons un bouge handicapé, bouge infime. Il ne peut même pas marcher, c'est le monde qui a porté. Il ne peut pas parler à Jésus. Et nous croyons que Jésus a dit péché ou pardonné. Jésus, Bible a dit nous, là Jésus, ouais, la foi des quatre porteurs. A dit dans le passage, là, nous n'y avons des conditions. Quoi? Les boucs n'ont pas fait rien, mais nous n'avons quand même des conditions pour que bouc puisse s'attraper, guérison et puis délivrance. Ok? Et si nous énumérons rapidement, frère Norbert, les conditions, oui. La foi. C'est ça. Jésus a dit, voyant la foi des quatre porteurs, la foi. Ça veut dire que nous pouvons parler par maman, par papa, par un époux, par une épouse, un monde peut-être madame ou malade, ichou malade, ou un combattant, un collègue qui est malade, foi, pas foi, mon qui est malade, ou. C'est ça, c'est ou. Et ou quand est bon Dieu, l'amour bon Dieu, pour qu'a fait que foi, ou quand on compte, qu'a allé à des choses impensables, démontant toi, pour. Fait bougla et puis il y a un accord qui fait là, il y a un équilibre de pensée. Pourquoi ouais que il arrive à descendre bougla devant un pied Jésus. Ça c'est non mais nous
Peut-être nous avons dit, mais non, ce n'est pas possible. Nous avons quitté paralytique là, il a allé. mais quand bon Dieu, foi ces bougles-là, arriver, bah, force, en force et en intelligence pour aller découvrir toi. Peut-être sans, je ne pas dit nous ça, mais peut-être sans caille neuf. Ouais. Ou bien en vieille caille, ouais. Qui vit cela, red à dévisser. Vous comprenez? Et ces bougles-là, arriver et démonter ça. Et vous comprenez quand même que Jodia, nous pouvons faire de telles bagailles. Enfin, pas seulement parler à l'étranger, oui, donc à oui, oui, oui. Nous pouvons faire de telles bagailles, mais ça peut représenter quand même la prière. La prière. La prière, et quand est la prière, c'est un bagaille qui est terrible, qui est fort. Parce que la prière, nous pouvons voir que Jésus était là de manière physique. Il descend, déposer. Mais Jésus, avant, c'était Dieu éternel, Dieu Jésus, et puis Dieu Esprit. Ouais. Donc, après, c'est Jésus Esprit. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller, vous pouvez aller là maintenant, par la prière, tout en étant caillou, tout et puis déposer malade là, Jésus. Vous pouvez voir ça, qu'à dire. Et nous qui écoutons, nous chrétiens, qui écoutons, dès lors, qu'à dire que nous pouvons comprendre force la prière. C'est vrai, frère. Parce que si nous te comprenons ça, l'église est ouverte toutes les puis toutes les non, 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 mais c'est vrai. Oui. C'est et vrai. Là, Martinique, peut-être pas te dans cette situation-là, parce que nous avons quand même, ça, c'est quand même un force, ça plus terrible qu'il a, la bombe H, la bombe atomique. Tout à fait. Nucléaire. Nucléaire. La prière. Là, nous, on se crée en position, t'as là, au cas où nous avons encore un exemple. Ou quand ouais, puisque c'est contre l'ennemi. Là, c'est l'ennemi qui a tchembé Bougla dans la situation paralytique là. Donc, ou quand ouais, Moïse, dans l'Exode aussi, Moïse, t'es qu'à prier, fatigue tombe en l'air, mais il t'a dit, et puis Aaron qui a tchembé là pour que Josué gagne la Jéa pour Amalek prédit combat, tombé. Pour Amalek prendre la vol. Et vous croyez que maladie qui prend la vol, l'ennemi qui prend la vol, à cause je dis à nous comprendre que par rapport à texte là, ça a montré nous que nous, et puis pour chrétiens, mais ça a montré nous que nous autres qui étaient comme moi, quand Jude avant nous partait, qu'on est bon Dieu. Ça a montré nous que nous t'es, parce que là il parlait d'esprit impur. Ouais. Il parlait, Montala, il n'est pas dit démon, mais esprit impur. Impur. Et pour nous, avant, nous étions nés et puis en esprit impur. Impur. Et, voilà. Et puis là, on voit que l'esprit, là, les bouclés ripentiques. Le ripentique, convertico, l'esprit, tu as pris la vol pour faire place à l'esprit bon Dieu. L'esprit bon Dieu. Oh. Et ça, c'est terrible. On voit que, quand même, et de là, on voit que l'esprit, là, il dit nous qu'a parti. Qu'a parti. Enfin, il était si bien méchant, parce qu'il a dit, nous, il a appelé cet esprit plus méchant. D'accord, c'est ça. Plus méchant, donc il était si bien méchant, mais pas de... Ouais. Mais il a cherché cet esprit plus méchant. Plus costaud. Plus costaud. Et là, il a viré. C'est dommage, mais quand il y a un petit témoignage, il y a un bougre, le mec accepte Jésus. Jésus m'a baillé la vie, moi. Moi, rencontre un camarade, m'a dit, je m'a baillé Jésus la vie, moi, il dit, à présent. Il dit, moi, ouais, dans ça aussi. Moi, t'as dans ça. Mais le problème tombe là, moi, tellement... Il m'a dit. Ouais, bon, t'es obligé de quitter. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais on ne vient pas, soit par intérêt. Exactement, on ne vient par intérêt. Il n'est pas né en repentance authentique. En repentance authentique. Ben, c'est diable, c'est l'esprit là qui a fait que nous ne pas comprendre ça et que nous arrivons dans cette situation là. Mais grâce, bon Dieu, pour... Là, pour alors, comprendre. Alors, pour vivre à ce que ça dit, frère, oui. Parce que, vous dites un bagage là qui est très important, les quatre bonhommes. Oui. Il y a des conditions que nous n'y a dans le passage là, qui a montré nous que Bougla a attrapé guérison, c'est la foi des quatre bonhommes. Et là, ça a parlé à l'église. Ça a parlé à la famille. C'est ça. Ça a parlé à le couple. Ça a parlé des gens qui ont prié pour guérison en monde. Parce que des fois, on a plusieurs gens qui ont assemblé ensemble, qui ont prié pour un dossier difficile. Alléluia. Mais des fois, ces gens-là qui ensemble, qui ont prié pour un dossier difficile, des fois, il y a des petits tiraillements entre eux.
Il peut des petits zizani entre eux. Peut-être que nous tous la touchés par maladie, nous avons prié pour guérison. Mais si nous n'avons pas solidaire, si nous n'avons pas la Bible qui est le commun accord, pour que nous accordions nous par rapport à tel bagage, parce que les quatre porteurs accordent et nous avons parlé un mot, on dit l'équilibre. Ils ont trappé un bon équilibre, mes amis. Zoki qui a regardé l'émission après-midi, il y a des points essentiels pour les gens qui ont intercédé, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui peut-être pas sauvés, pour les gens qui prient par des démons. Il y a des conditions, nous croyons que c'est les gens qui ont prié pour les gens, il faut que ces gens aient un accord. Amen. Il faut qu'ils aient un bon équilibre. Il faut qu'ils aient demandé leur pardon. Amen. Parce que ça peut arriver des fois que des gens qui ont prié pour un sujet, mais des fois, il y a des petits bagages entiers. Et ça, c'est en condition. Nous dit quelles sont les conditions pour être guéri, délivré, sauvé. Et ça, quand il y a tellement ça profond. Je n'ai pas un petit témoignage. Nous avons prié avec papa moi. Et puis, c'est moi qui a dit moi comme ça que papa moi, il y a un petit problème, et puis voisin. Et puis là, nous venons prier. Et puis, d'autres, c'est fois, je suis rentré avec lui, je suis envoyé en colère. Je me suis dit, papa, on va pas prier pour nous comme ça. Mettez le corps à ce côté, nous mettons le corps, nous prions, et puis nous disons, on va régler le problème là, et puis voisin, hein, et puis nous. C'est ça. Parce que ça empêche nous d'être en accord. Ça fait différence. Et la Bible a dit, nous, là où Dieu toi, sont en mon nom, je suis au milieu de là où Dieu toi s'accorde en mon nom pour demander quelque chose. Je suis. Alors, deuxième condition, mes amis, toujours dans le passage de là, hein, parce que nous avons un passage après, mais t'as là. En deuxième bagaille, nous avons, alors, Jésus a dit qu'il y a la foi premièrement, oui. Et il y a deuxièmement les péchés. Parce que Jésus a dit non, non, tes péchés sont pardonnés. Nous avons compris que péché, c'était un obstacle à guérison. Et c'est pourquoi que Jésus a dit que tes péchés sont pardonnés. Et nous l'a dit, moun qui l'a regardé nous, peut-être que yosa l'asprié bao. Yosa l'asprié bao. Hein? Et peut-être des fois, on va appeler les pasteurs, les plus éminents, les hommes de Dieu, ou savent que Boukta n'y a l'onction, ou savent que Madame Dalé a prié, n'y a l'onction, ou qu'on a appelé pour y prier, il a prié bao, ou malade toujours. C'est ça. Là, il y a un péché qui là. C'est ça. Amen, amen, amen. L'année en péché, l'année en situation, l'année en iniquité, l'année en dossier qui couvait là, il faut qu'on découvre. Parce que ici, nous voyons que la Bible a dit nous que, verset 4, oui. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit, et il descendit par cette ouverture. Le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, hein, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. Condition, mon ami, peut-être que tu nous regardes. Et peut-être même il y a des personnes qui nous regardent ce matin. Tu es couché sur ton lit de douleur. Tu as ta télé dans ta chambre. On a déjà prié pour toi. D'accord. Mais il y a un péché dans ta vie, il y a des péchés. Dans... Je n'ai pas dit que tout le monde qui sont mal dit péché, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pas ça. Vous n'avez pas fait me dire ça, m'a pas dit. C'est hein? Ça. Mais je dis qu'il y a des cas. Ici, la Bible nous montre qu'il y a un cas, c'était ses péchés qui l'empêchaient de recevoir sa guérison. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. J'ai noté dans Proverbes chapitre 28, verset 13 et 14. Proverbes chapitre 28, verset 13 et 14. Il est dit que celui qui avoue ses transgressions, d'accord, eh bien, il reçoit miséricorde, délivrance, guérison, prospérité. D'accord? Mais celui qui les cache, il ne peut pas avancer. Amen. Et le verset 14 nous dit que celui qui est constamment dans la crainte de l'Éternel, d'accord, eh bien, il va jouir effectivement de la miséricorde. Être constamment dans la crainte, c'est être constamment dans le respect des choses de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Et c'est l'une des conditions que nous voyons dans ce passage
pour être guéri, le fait, il faut que les péchés soient pardonnés. Et pour que les péchés soient pardonnés, il faut venir à la repentance. À la repentance. Et mon frère. Ah oui, et c'est ça la Bible a dit. Hein. C'est le premier bagage que Jésus, il a après il est sorti baptisé, c'est Adam Marc 1er verset 15, il a dit comme ça, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, sans repentance, c'est pas ni solution, pas ni réponse, pas ni satisfaction. Pour quelle raison? Puisque c'est un obstacle devant bon Dieu. C'est ça qui a empêché bon Dieu agir en faveur de nous, puisque nous croyons que Jésus prend péché nous pour nous arriver à ce stade-là, de la repentance. En fin de compte, nous n'avons pas à rien d'autre pour faire. Qui ça? Puisque il y a des gens qui ne peuvent pas péché, ne peuvent pas faire rien qui est mal. Oui, mais la Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Alléluia. C'est ça la Bible a dit. La Bible a dit, nous, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Et qui t'en est cadeau ça pour faire là? C'est maintenant. Et donc aujourd'hui. Aujourd'hui. Si vous ne pas voyez à demain, c'est demain. Pas voyez à demain. Femme, non, mais si vous voulez que nous lions un deuxième passage. Oui. Que nous pouvons rester longtemps en l'air. Mais, passage est important aussi. Alors, c'est 2 Chroniques 7, 14. Oui. Et passage est là. Là, nous pouvons y attacher. C'est passage est là. Nous pouvons que condition attachée au peuple de Dieu. C'est très important. Qui veut dire à l'Église. Oui. L'Église n'y en part. L'Église, c'est le corps de Christ. Amen. L'Église, c'est les frères et sœurs en Christ. Ici, dans 2 Chroniques 7, 14, presque tout chrétien connaît le passage là, il est dit que si mon peuple, alors si mon peuple, ça veut dire si l'Église, ça veut dire si les enfants de Dieu, ça qui croit en Dieu, ça qui bat Dieu la vie, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai. Alors, nous regardons premièrement, mon note là, mon note, 5 bagailles. Premièrement, mon peuple, notion d'appartenance. C'est ça. Deuxièmement, s'humilie, nous finit dit repentance, renoncer à l'orgueil, renoncer à tous les épaules carrées, reprenant ouais. Ces bagailles là. Ouais. Troisièmement, s'il prie, il revient à la prière. Dans la prière, nous avons la repentance, la confession, le renoncement. Nous avons le fait d'être en connexion avec Dieu, la prière, s'il prie. Quatrièmement, s'il cherche ma face, s'il rétablit la communion. D'accord, des fois, l'autel est renversé. D'accord, c'est une manière de parler quand on dit l'autel. La communion, ok, est renversée. Alors, si maintenant il rétablit cette communion, il cherche ma face. Chercher la face de Dieu, avoir cette intimité avec Dieu, revenir à Dieu, d'accord? Et puis, cinquièmement, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire que s'il a une conversion authentique, puisque c'est on va dire un changement de direction, se détourner, ça veut dire on va dans une voie qui va nous perdre, et quand on se détourne de cette voie, on va dans une voie, d'accord, qui nous amène à la vie éternelle. Ici, on voit dans ce passage, 2 Chroniques 7, 14, 5 conditions. Être le peuple de Dieu, s'humilier, prier, chercher sa face, se détourner de ses mauvaises voies. Et puis, le résultat, l'exaucement, le pardon des péchés, la guérison. La guérison. Et mon frère. Amen, amen, amen. C'est, il n'y a que par cela que nous pouvons vraiment, nous, enfants de Dieu, comprendre ça. Et moun qui a écouté, ou bien dit, si vous pouvez, yish bon Dieu, il faut que vous devinez yish bon Dieu. Puisque vous ne pouvez pas naître yish bon Dieu. C'est ça, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Et mon peuple qui a invoqué le nom bon Dieu. Et ça, et je dis, ah, nous, quand ouais, que nous n'avons pas parlé du bon Dieu, mais c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Parce que tout le monde peut parler du bon Dieu. C'est lui, bon Dieu, ben nous. C'est lui, ben nous. Tout le monde qui a nommé le nom, bon Dieu.
Mais non, Jésus n'a pas qu'à sortir en bouche de n'importe monde, oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait, non, t'a sorti dans la bouche de monde. Et au cas où elle est là, riche, bon Dieu, qui a confessé non, Jésus, et non, Jésus s'en trouve forte. Et le juste s'y réfugie. C'est ça la Bible a dit. Donc, les justes là, venus, ils comprennent qu'ils ont essayé de faire ça. Riche, bon Dieu. Mais le premier bail qui est venu en dedans, c'est repentance. Les qui a venu en prière. Et c'est bon Dieu qui a réclamé ça. Parce qu'il n'y a un bagage qui a empêché. Bon Dieu. Et vous parlez de cinq bagailles. Mais nous gardons l'homme et nous. L'homme et nous, ni cinq doigts. Et l'homme, il n'y a pas ni force. Ou pas ni force. Ou pas ni force. Et bon Dieu qui a fait que le, nous mettons cinq bagailles là. Il est obligé d'écouler bénédiction. Il est obligé d'écouler pardon, il est obligé d'écouler guérison, il est obligé d'écouler la vie éternelle. Femme, au cas de ça là, oui. Il n'y a pas qu'à montrer entièrement là, par rapport à ce passage là. Comme Dieu a parlé du peuple, de l'Église, l'Église est puis un grand E, il était quand même très intéressant qu'à la Martinique, par exemple, l'Alliance des c'est évangélistes. Ça. Que nous réfléchissons place, ça peut être place, dis non, mais une belle place, pour que l'Église rassemble pour pays noir qui a tombé dans une maladie de mort. Amen, amen. Parce que nous attendons que les morts, nous attendons les tueries, nous attendons les fusillades, nous croyons que le pays est malade. Le pays est... Enfin, tout partout, mais nous ne parlons pas du pays noir. Okay? Le pays est malade, mes amis. Et ici, il y a que nous avons dit quelles sont les conditions pour la guérison, la délivrance et le salut. Et là, cette condition, et première condition, mon peuple, ça veut dire l'Église avec un grand E, l'Église de Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, ok, si ce peuple se rassemble, peut-être que le Seigneur l'a parlé à nous, l'Alliance des évangélistes, là, pour mettre en place. Absolument. Un saint rendez-vous où nous avons invité l'Église avec un grand en place. Absolument. Et puis nous avons mis nous à prier, nous avons mis nous à demander bon Dieu pardon. Nous avons mis nous vraiment à humilier nous à prier. C'est ça. Nous avons décidé de détourner nous de toute mauvaise voie. Et puis nous avons prié par la Martinique. Mes amis, le Seigneur nous dit ici, c'est très important, dans le verset 14 de 2 Chroniques, d'accord, 7, il est dit que. Je l'exaucerai des cieux, un. Je lui pardonnerai son péché, deux. Et je guérirai son pays, trois. Quel défi. Alléluia. Alléluia. Nous ni la clé, hein. nous ni solution. Nous ni solution. Et oui. Et au cas où est que, combien même nous, cas où est que ça, qui n'y en dit dans le pays, la violence là, qui n'y en, et même. Violence là, qui risque de venir contre nous, puisque oui. Nous savons que tout le temps, l'Église a déjà persécuté. Et nous savons que ça, pour nous faire, c'est mettez-nous entre bon Dieu et. Voilà, et peuple là. Et peuple là. Pour, parce que nous savons, bon Dieu qui dit ça, qui veut du temps de nourrir. Qui arrive encore. Oui, et même Sodome et Gomorrhe, tout ça. Et nous savons que bon Dieu. Fais-nous retirer sous la terre. Mm-hmm. Parce qu'il était payé pour un moins, pour un haut, la nourriture pour un petit converti. Maintenant, nous, c'est la même. Tout à fait, tout à fait. Il n'a pas fait. C'est pour que non Jésus glorifié en ça nous a fait. Et ça nous a fait, il faut qu'il y ait un sens volonté, bon Dieu. Et volonté, bon Dieu, c'est qui ça? C'est qu'il te connaisse, Martinique, connaître, bon Dieu. Et ça, c'est là, nous rentrer en position, t'as là, détourner comme nous, prier, et puis. Une conversion parce que oui, détourner de cette mauvaise voie. C'est ça. Et oui. Alors, deuxième passage, là, c'est juste des petits bossages que j'ai fait au matin. Hein. Deuxième passage, ça veut dire quoi? Ça veut dire chrétien, on y peut être un voisin qui est malade. Il n'est pas chrétien. C'est ça. Là, Dieu qui a parlé, ben, nous, peuple. C'est ça. D'accord? Ça veut dire que nous chrétiens, nous disciples, nous qui connaissons le Seigneur, là, nous qui avons intercédé, nous pour garder. Est-ce que nous en avons? Est-ce que Pani Aïe qui a dérangé? C'est très important, d'accord? Ça aussi, c'est en condition. C'est très important. Ça veut dire que tout en parlant
nous dit des bagailles, il faut que là, nous soyons ensemble, nous gardons comme on est, nous gardons décalé crabe. Amen, amen, amen. Là, nous gardons le cache créole d'eau. C'est ça. Nous gardons décalé crabe là, comme on est, nous gardons mettre ça en place. OK? Et puis, mes amis, qui a coûté, qui a gardé, qui l'a, à un moment, nous avons ouvert l'antenne pour que je t'appelle, nous allons lire un troisième passage. D'accord? Toujours dans la même pensée, là, c'est dans Matthieu chapitre 12, hein, les versets 38 à 45. OK? Nous pouvons commenter tout, mais là, mais juste la pensée, frère-moi qu'il lit Matthieu chapitre 12, versets 38 à 45. Hein, et puis après, nous allons dire deux mots par rapport à passage là, et puis nous allons ouvrir l'antenne. Vas-y, mon frère. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'aucun miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement, se lèveront du moins au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils ont dans la maison, s'y établir, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Mes amis, ici on comprend bien que c'est Jésus qui parle, on lui demande de faire un miracle. Jésus dit, le seul miracle qui vous sera donné, c'est Jonas, 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Ou le Fils de l'homme, 3 jours dans le sein de la terre. Ça veut dire que, en fait, Jésus dit que la repentance. Le miracle que je vais vous donner, c'est le fait que moi, Jésus, je vais mourir à cause des péchés. Et pendant 3 jours, je serai mort. Mais il avait dit auparavant, dans Jean 10, personne ne prend ma vie. Je donne quand je veux, je la reprends quand je veux. Alors on comprend bien que tout ça, c'était dans la volonté de Dieu. Mais ici, la pensée centrale ici de ce passage, c'est une repentance authentique. Amen. Une conversion authentique. Une personne remplie de Jésus. En fait, c'est ça. En fait, ici, Jésus dit, le miracle qui vous sera donné, c'est le Fils de l'homme qui va rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, qui veut dire qu'il va mourir, après qu'il va être ressuscité. Et après, Jésus donne un exemple. Jésus dit que lorsque l'esprit impur, ok, est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, mais il n'en trouve point. L'esprit impur, les démons, appelez tout comme vous voulez, ok? Mais ce n'est pas quelque chose de bien. C'est pas, ça ne crée pas un bon mouvement dans la personne. Ça met du désordre, ça met de l'incohérence, ça met de l'injure, ça met du combat, ça met du péché, ça pollue, ok? Il dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors, Jésus nous dit que l'esprit impur parle, il dit. Et nous voulons dire aux personnes qui nous regardent ce matin que les démons parlent, les esprits parlent, mes amis. Il dit que je retournerai dans ma maison. Ah oui. Mes amis, chacun de nous, on dit qu'il y a à peu près 8 milliards de personnes autour du globe terrestre. Ça fait à peu près 8 milliards de maisons. Parce qu'une personne est considérée comme une maison. D'ailleurs, quand on accepte le Seigneur, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. On est la maison de Dieu. On dit que l'Église, l'Assemblée, c'est la maison de Dieu. Eh bien, ici, Jésus dit que, eh bien, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et Jésus dit, et quand il arrive, il trouve la maison dans 3 positions, vide, balayée, ornée.
Et là, notre thématique, c'est quelles sont les conditions pour être guéri, délivré, sauvé. Et ici, la réponse est ici. Parce que ici, le démon va voir la personne vide. Voilà. Ça veut dire, Jésus n'occupe pas cette maison, Jésus n'occupe pas ce cœur, Jésus n'occupe pas cet esprit, Jésus n'est pas dans cette personne. Alors même si la personne, elle est cohérente, avant, il était qu'à jouer, il était mal habillé, le fait que l'esprit a sorti, il est bien habillé, ok, il a un bel langage, orné, cravate, il est bien payé, tout ce qu'on veut. Mais le drame ici, c'est que la personne soit vide de Jésus. Voici le drame. Le drame ici, mes amis, c'est que Jésus dit que la maison est vide. Elle n'est pas occupée. Et parce que la maison n'est pas occupée, le démon dit, je vais chercher du renfort. Parce que j'étais là tout seul, on m'a mis dehors, on va me remettre dehors. Il cherche du renfort, 7 démons, et lui, ça fait 8. Oh là là. Amen. C'est un drame. Et c'est pour ça quand même que ça, pour un démon sorti, faut qu'il trouve un monde, puis faut qu'il. Ouais. Et ça ne peut qu'être Jésus. Mais Jésus. Oui. Mais oui. Mais mon t'a continué chemin et puis pas bah Jésus tu es. C'est ça. Et ou quoi que et diabla et aller chercher 7 méchants. Mais il faut manière bah dit là que avant m'oublier faut nous le dit pour les monde qui regardent nous. Là, on parle du ministère. Oui. Quand tu as un ministère, une personne qui est avec un ministère et qui chasse un démon au nom de Jésus, le démon obéit. Obéit. Mais la personne pour qui on prie, si elle n'a pas donné sa vie à Jésus, attention. Amen. Parce que le ministère, au nom de Jésus, le démon se soumet, il sort. Il sort. Mais il va revenir si la personne ne s'est pas repentie, convertie, et si elle n'a pas rempli sa maison de Jésus. Exactement. Et c'est ça le problème ici. Jésus dit que la maison est vide. D'accord, elle est balayée, ornée, pas ni pour les moussas, ok? Mais elle est vide. Et le démon va rentrer avec 7 autres compères. C'est ça. Bon, Dieu dit fait qu'à lire les moussas là. Amen. Mes amis, s'il y a quelqu'un ce matin là, tu nous regardes, on est en direct sur KMT là, tu nous regardes, c'est vraiment le moment. Toutes les conditions sont là en ce matin, tu vois. On a fait un petit brossage. Tu vois? Vous avez vu ce matin comment on a fait, mon frère et moi? On a fait un brossage. Mais nous savons que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Oui. Il y a des personnes là. Et j'ai fait un petit résumé sur ce qu'on a dit là, les conditions. On a dit que Dieu fait miséricorde, à qui fait miséricorde? On a dit la foi. Dieu dit que sans la foi, nul ne peut être agréable. OK? Autre condition, la repentance authentique. Alors, il y a aussi l'obéissance. On n'a pas parlé, mais il y a aussi l'obéissance. C'est ça, l'obéissance. Dieu dit dans Exode 15, 26, « Si tu obéis, je ne te frapperai point des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Qui veut dire « si tu obéis ». Il y a aussi l'obéissance. Et puis, il y a aussi la prière, le jeûne, la repentance, tout ça. Là, ce matin, mes amis, vous qui nous regardez là ce matin, mon frère et moi, nous allons ouvrir l'antenne. Peut-être que vous êtes couché malade. Peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur. Peut-être que là, vous êtes décidé, vous avez pris une décision ce matin pour donner votre vie à Jésus, vous repentir, d'accord? Peut-être que vous avez la foi pour être guéri, la foi pour être délivré. Mais vous avez compris les conditions ce matin. Et si l'une de ces conditions manque à votre vie ce matin, vous avez l'occasion de demander pardon au Seigneur, d'appeler au 0596 48 44 25. Vous pouvez appeler, c'est un fixe direct. On va prier avec vous. Je crois qu'on a un appel. Oui. Oui, allô, bonjour. Qui nous parle et vous nous appelez d'où? Pardon? Qui c'est qui nous parle et vous nous appelez d'où? Olivier Dumarin. Ah, Olivier, ça vous fait? Oui. Malakatienbe. Ok. Attends. Par contre, nous n'y avons pas tout là. On y est en baisse télé. Oui, on a baissé. Nous avons tout. Oui, je vais appeler Pasteur. Bon, non, il n'y a bien non. Mika, on pas dit quoi, nous connaissons. Oui. Je vais écouter l'émission. Attends, tout le monde parle mal là. Mais je vais Jésus la vie, je vais au téléphone, Jésus la vie, moi. Mais il était venu quand même en foi. Oui. Ça fait un grand plaisir. Il était monté dans l'entour, mon bon ami, puis il passe à moi. Ça fait un grand plaisir.
Mais moi toujours en Bible, moi c'est le seul problème moi que moi pas maïp madame moi. Mais attention moi s'il dit fait baptiser. Oui, pour ça oui. Moi baptisé, mais comment tu voulais de santé et mon envoi qui est actuellement fameux et à l'heure aujourd'hui mon parent mon service encore. Alors si vous avez affaire c'est l'argent en poche. Et de manière là, mon cap met mon divin, mon prier par moi, je n'ai pas personne. Mais sans celle qui a venu, au nom de Jésus, c'est pasteur Mika. Oui. Mais maman de Olivier. Uh-huh. Alors qu'à songer, le mois passé, parce que vous avez appelé la radio, qu'à songer, le mois passé, nous parlait, en seule fois, mais ce n'est pas un problème pour ça. Nous parlait et ou invoquer un problème là, c'est qu'effectivement. Ou quoi vivre bien madame et j'ai dans ça la Bible qui est la fornication. Oui. Et nous t'ai parlé, nous t'ai parlé vraiment, franchement, qu'on est grand homme, nous t'ai parlé à la lumière de la parole de Dieu. Et là, nous t'ai parlé, pas tenu grand chance qui était campé, j'ai maillé et ils ont mis quand même quoi 2 ans, puisque c'était en période Covid là, mon quoi. Et gardez ou pas, qui ça a empêché que vous obéissiez parole là, ou ni en madame, ou en même madame là, ni longtemps êtes ensemble. Régler et mettre même tout, ou pas besoin l'argent, ou quand il en mérite, ou pas besoin l'argent, belle rate baye comme ça. Ouais. Non, régler situation. Ah ben. Oui, non, je vais faire comprendre ça. Mais non, nous, comme ces problèmes de santé, nous, quand ça a bien marché, tout ça, ça. Bon, moi, je vais vous dire, écoutez, ça, Radou, là. Bon père, moi, ils ont mis longtemps. Bon père, moi, et belle mère, moi, tu es aveugle. Il était malvoyant, et bon père, moi, il est un grand homme. Eh bien, on sait, là, il m'a dit, il est venu quand il a fait le nécessaire. Hein? Ouais. c'est mon nom, parce que je me dis, il est venu, il est venu, fermé, handicapé. Je me suis dit, ça. Il est venu, tout bien, il a fait tant qu'il a là. Il est venu à l'hôpital. Mais oui. Il est venu à l'hôpital. Mais oui, l'essentiel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, Olivier. Olivier, mon téléphone, tu vois, Jean-François, pour raison de santé. Nous qui venir où? Sincèrement, nous qui venir où? Ma est-ce que moi toujours mon numéro parce que ou qui appeler nous en antenne parce que nous qui prier plus hein, mais pour mon numéro parce que comment changer portable, ma passe aussi moi toujours mon numéro. OK? Eh ben nous qui prier plus où? Nous qui prier plus pour oui. Tout de suite là. Nous qui prier bon. Olivier, nous qui prier bon. Papa bon Dieu, nous ka béni non parce que toute situation, chaque situation pas ka repousser ou ka ou patient ou ka coûter ou ka finir par prouver l'amour et nous ka Olivier et Seigneur nous ka remettre en l'amour. Ouais, situation ta là y envie régler mais nous ka ba prier pour que ouvre la porte bay ou bay ou fait planning là bay ou mettre toute bagaille à disposition, il parler dit parler l'auto. Mais papa bon Dieu, nous avons fait que prier pour que l'amour entier vienne fort et puis il trouve force, il trouve courage, il trouve guérison pour aller et mettre la situation là dans les normes du vent. Merci. Nous avons béni ma future madame Lee, nous avons béni et nous avons prié aussi pour que toute maladie la guérisse. Parce que c'est Dieu puissant, ça au café de manière complète. Merci Seigneur pour ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Olivier, on a un numéro moins, on peut appeler moins en antenne, on peut appeler moins. Alors, numéro association, parce que c'est association consolation pour les chrétiens, sans portable, 0-696-89-52-58. 89-52-58, l'association consolation pour les chrétiens, et l'émission, c'est l'Alliance des évangélistes. OK? OK, Olivier, bon Dieu, bienvenue. D'accord. Alors, mes amis, nous ouvrons l'antenne, comme on disait mon frère oui. Et moi-même. Vous pouvez nous appeler au 0596-48-44-25. Et mon frère, justement, tu peux aussi, pendant qu'on attend un appel, oui, je veux quand même dire à certaines personnes qui disent que je suis déjà dans une religion, mais Dieu ne te demande pas d'être dans une religion, il te demande de te repentir. C'est ça, la repentance. Et on voit que sans Jésus, ce n'est pas possible de plaire à Dieu. Ce n'est pas possible de venir à Dieu et d'être sauvé. Entends ce qu'il dit,
dans 1 Jean 2, verset 23, il dit « Quiconque nie le Fils, parce que quand tu refuses Christ, c'est que tu le nies. Mm-hmm. Ni le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse, et ça, nous avons prié tout à l'heure, parce qu'il faut confesser. Il dit « Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Donc, nous voyons combien que solution là, et ce n'est pas d'autre chemin, puisqu'il dit qu'il n'y a de salut aucun autre, quand il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est Jésus la solution, ce n'est pas la religion, ce n'est pas « m'en pas qu'à faire personne mal », tout ça, ça n'a pas qu'à tchimber devant bon Dieu. Parce que si tu te trouves juste, bon Dieu, pas qu'il vienne sur la tête, qu'il prend pour sauver les autres. Mais ce n'est pas possible. Donc, okay. C'est et puis Jésus que cela est possible. D'accord. Alors, nous avons appelé les téléspectateurs que Zopé a appelé, c'est le moment. Zopé a appelé, Zopé a appelé au 0596-48-44-25. On a appelé pour la repentance, on a appelé pour nous prier, et puis on a appelé, il y a une difficulté, d'accord. Là, on a appelé, on pas besoin d'être long, soit précis par rapport à ce sujet, hein? Et puis nous pouvons prier, et puis parce que c'est aussi ça, d'accord. L'Alliance des évangélistes. Quel que soit Dieu fera. Et nous croyons que la bon matin, qu'il y a plusieurs maisons, plusieurs foyers qui recevraient nous par le biais de KMT et je recevrais aussi bon Dieu, bon matin, le Saint-Esprit matin. Alors, je peux appeler, nous allons attendre, appel autres pendant que je lis un passage, je peux appeler. Dans 1 Jean, le chapitre 5. Ah, allô? Allô, bonjour. Ah oui, bonjour. Ouais. Oui, qui c'est qui nous parle? Je m'appelle Fred. Fred, d'accord. Oui. Fred, vous rappelez-nous de qui côté? Du François. Du François. Et Fred, nous écoutez où? Vous l'avez appelé pourquoi? Je coupé par moi parce que moi, je moi deux mal à marcher et je ne peux pas dormir le soir. D'accord. Vous ne pouvez pas dormir le soir et vous avez des difficultés à marcher. D'accord. Alors Fred, ça veut dire que vous avez un certain âge. Quoi? Ça veut dire que vous avez un certain âge. Moi, j'ai 59 ans. D'accord, 59 ans. D'accord. Nous pouvons prier pour ça. Fred, est-ce que vous avez repenti quoi? Est-ce que vous avez Jésus la vie? Est-ce que vous avez converti? Oui. D'accord. On a dit ça. Ni on a dit ça. D'accord, pas de problème. Nous pouvons prier pour vous tout de suite, Fred. Alors, Fred, avant d'accord, de nous prier pour vous, est-ce qu'on y a un bagage dans les tchèques qui a gêné ou? Est-ce qu'il y a un monde qui fait un bagage qui n'a pas pardonné? Est-ce qu'il y a un obstacle? Non, moi pas ça. Ou, non, pas, non. Ou pas ça ou bien il n'y a pas ni? Non, moi pas ni de ça. Ça n'est pas autant ça. Parce que c'est important, Fred, si nous prier, nous les prier aussi amen. De manière pour nous donner des résultats. C'est pourquoi si il y a un obstacle, nous pouvons mettre ça à la lumière. Nous pouvons prier? Nous pouvons prier, Fred? Oui, moi, deux fois par jour. Deux fois par jour, pas ni problème. Nous pouvons prier pour en tout cas. Papa, nous avons béni pour en telle occasion qu'on a nous pour nous prier, intercéder par Fred, bannissez Fred. Un homme qui connaît tout, qui repentit, dit depuis un an. Nous croyons, papa, qu'il connaît témoignage de la Bible, l'Évangile, le Saint-Esprit. Mais nous croyons qu'il est touché en disant quoi, en disant jambes-li, en disant sommeil-li, organes sommeil-li, inconscient, subconscient. Il y a des insomnies. Mais nous croyons prier par Fred. Parce que si Fred a appelé, c'est que Fred ni la foi qu'on peut intervenir. Papa, nous croyons prier actuellement par Fred. Que là où jambes-li, papa, là où il y a des douleurs, des incapacités, Seigneur, au niveau jambes-li, nous croyons prier, papa, pour qu'on touche jambes-li dans le nom de Jésus-Christ. Là où elle est douleur qu'a tchébé, nous pouvons prier pour Seigneur, que ces douleurs à la Dieu règne, la Dieu jambes-li au nom Seigneur. De Jésus-Christ, papa. Nous pouvons confesser, papa, que sans Jésus, en l'air, jambes, Fred, au nom de Jésus. Et là où il y a des difficultés pour y dormir, papa, nous pouvons prier, papa, pour que toute insomnie puisse la Dieu subconscience lui, dans le nom de Jésus, afin que les Fred aillent dormir, qu'il aillent coucher, qu'il aillent dormir, quand David dit, je me couche et je m'endors en paix. Car Dieu seul me donne la paix et la Alléluia. Sécurité dans ma demeure, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Fred, amen. Que le Seigneur bénisse. Fred. Ciao.
Bon, eh bien, Dieu Zapati, signons l'autre appel, 0596-48-44-25. Et pendant que nous attendons un appel, je vais faire l'article sur l'hypoconie. Dans 1 Jean 5, au verset 10, la Bible a dit que celui qui croit au Fils de Dieu a son témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu. Allô? Oui, allô? Allô? Vous pouvez parler, c'est où? Oui, allô? Allô, qui c'est qui nous parle? Alors, il faut éteindre, il faut baisser à sous. Allô? Oui, allô, bonsoir, bonjour. Oui, allô? Oui, allô, nous écoutons, c'est qui mon nom? Oui, je vais appuyer les autres là pour moi, les autres là pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour ça, pour café. D'accord, dis-nous quand tu as rappelé nous. Quand tu as oui, moi c'est beaucoup de pilote. Rivière pilote. Comme j'ai bien dit, la commune rivière pilote. Oui, mais moi qui a crié les autres pour moi, les autres, merci parce que nous, les autres, quand même, un bon petit moment de repos. Alléluia. Ah ouais, les autres qui ont éclairci et des bons livres de bagaillement, des bons connaître. Donc moi, j'ai fait ça qui n'est pour faire. D'accord. Mais moi, quand même, j'ai un coup à les autres. Et puis, il y a un autre camarade qui est dans le plateau, là, c'est M. Marius. Ah oui, Marius, ça, ouais. Ouais. Eh bien, moi, c'est fou un camarade, moi. C'est Nilo. Oui. Non, c'est pas. Eh bien, maman, il a continué par la dire à rien, par la dire à Maïba, nous, ça qui nous y a. Merci. Nous avons besoin de ça. Eh bien, nous prenons. Et c'est Georges de Rivière Pilote. Georges, nous avons pris un courage. Et puis, moi, je suis et je dis qu'il a parlé. Oui, merci. Parce qu'il y a nous bail la manière nette et pipo. Merci. Toute gloire, c'est à mon Dieu. Merci. Alors, je béni les autres et puis, je suis là, par la dire. Nous bail la manière propre. Et puis, merci beaucoup. Amen. Amen. Eh bien, Georges, il faut m'aider à dire des mots. Oui, nous avons prié. Nous avons béni non et nous avons glorifié non parce que nous avons possibilité, bon matin, pour ton Georges, nous avons béni et nous avons prié que toute attaque de l'ennemi en l'air, pas qu'à trouver effet, pas qu'à trouver place en Georges, que tiens Georges ferme entièrement bail. Et que lui, il a glorifié non, il a élevé non dans l'adoration, dans la louange, Seigneur, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, et intimité, et puis qu'à aller de plus profond en profond, et puis nous demandons ça au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soignons qu'on l'autre maman, j'en peux appeler au 05 96 48 44 25, encore continuer à faire l'actia. Dans 1 Jean 5, verset 11, il dit. Et voici ce témoignage, c'est que cette vie éternelle est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mes amis, si bon matin, il y a un monde qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en la vie, bon matin, ripantico. Vous pouvez appeler, puis dire, je vais appeler pour mon ripantico, pour mon Jésus, la vie. Vous pouvez faire, bon matin. Nous avons bout d'un petit moment, mais vous pouvez faire. Vous pouvez appeler. Et si pas ni appel, ça nous a fait vraiment. Oui. Nous qu'a prié. Oui. Aïe, appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, qui nous parle? C'est. Oui. Parce que Makatan nous loin. Ah, Makatan nous prêt. Ah, ben Makatan nous loin. Bon, c'est pas grave. Oui, vas-y. Vous m'en mettez son. Est-ce que c'est pasteur vraiment? Moi, c'est Jude Bicard et puis Norbert Chéri. Ah bon, qu'importe, vous êtes à deux là. Oui, nous à deux. Alors c'est pareil, la prière a pris fond encore. Oui. Est-ce qu'on va dire? Oui. Ma applo, je vais commencer par deux toutes belles là parce que moi, ça vous fait que si on repose les mains, on va commencer par parler. Je vais baptiser, ça fait au moins 30 ans. Oui. Bon, le problème qu'il y a, je vais baptiser, c'est le docteur Tony à Saint-Thérèse. Ah, Tony, ouais. Bon. Voilà. Eh bien, c'est que le problème qu'il y a, c'est pas comment pas continuer, mais on toujours continuer parce qu'on parle de l'église de Saint-Joseph. Oui. Bon. Mais à ce moment, mon besoin en prière, en guérison, que moi, c'est vous n'êtes pas un pasteur.
Mais est-ce que vous faites des déplacements? Oui, nous avons fait des déplacements. Ah ben bon, moi qui habite Saint-Joseph, cité Rivière Blanche. Ah. Madame, moi, je suis dans l'évangile depuis Timamaï. D'accord. Bon. Mais moi, si vous voulez, par exemple, si vous venez au mon fond, tu pries en bas, moi. Pas ni tu pries, ni prier. Enfin, d'accord. Prière. Non, mais madame, nous, ça, franchement, parce que tu pries, ça sent l'autre bail. Oui, ça sent l'autre bail. Non, non, en prière. Voilà. D'accord. D'accord, eh ben Georges, ça nous peut faire. Déjà, nous peut prier Baola. Et puis, si vous pouvez appeler nous en antenne, ou ouais, l'année des numéros qui a défilé là, oui. Oui, bon, là, oui. Eh bien, appelez ce numéro. 35, 26, voilà. Ça, c'est des numéros. Oui, des numéros permanents qu'il a, ou qu'il a appelé, et puis comme ça, il y a un des serviteurs que nous pouvons prendre rendez-vous venir. D'accord? D'accord, entendu. Bon, alors, bon, voilà. Moi, c'est Monsieur Méoté. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Nous qu'est-ce nous qu'est-ce qu'on prie au final? Ah, oui, mais ah, prie au final. Oui. Bon, pas besoin de nom alors. Non, ou pas dire moi c'est Georges. Non, c'est pas Georges. Méoté, Serge. Ah, Méoté, Serge, d'accord. Voilà. Vous appelez du côté Gaumont alors? Toute la famille c'est Gaumont. Ah, d'accord. Madame Bitté Saint-Joseph. Ah, ok. D'accord, pas de problème. Ok. Depuis de minuter, moi, ça, les minuter, c'est gros. Ok. Alors, pour moi, je suis très bon, c'est pour moi, parce qu'à ce moment, il y a un des jours. D'après moi, je n'ai pas qu'à dormir le soir. Je n'ai pas qu'à penser à rien de mal. On a bien dit, je n'ai pas qu'à penser à rien de mal. Je n'ai pas pensé plutôt à stress. D'accord. Mais ça a empêché moi de dormir, et puis ça a fait chez moi aller fort. Ok. Eh bien, maman, nous, ça nous qu'elle fait, nous qu'elle fait en prière finale, parce qu'elle est arrivée. Oui. Nous qu'elle fait en prière finale, nous qu'elle pense à vous, et puis nous qu'elle prie pour le sujet qu'elle nous évoquait bon matin, et puis nous qu'elle conclut l'émission nous comme ça bon matin. Frère, moi qu'elle prie, moi-même aussi, nous qu'elle prie, et c'est comme ça nous qu'elle boute l'émission nous bon matin. Ok? D'accord. Vas-y, mon frère. Papa, bon Dieu, nous qu'elle bénit nous pour l'émission bon matin, pour toutes ces monde qui a appelé, nous qu'elle prie pour que. Non glorifié. Nous avons prié pour que il répète la prière. Nous avons demandé aux autres répéter la prière. Les autres qui peuvent connaître Jésus. Les autres qui tonne parole là et qui vraiment parole à toucher. Répétez la prière parce que la parole là est vivante. Et nous les faisons comprendre que faut recevoir Jésus par la confession. Faut confesser. Il faut que dit esprit un peu ou là que ou pas mettre moi encore. Il faut qu'il t'en mis parce qu'il là, il t'attend. Alors répétez prier là. Au nom de Jésus. Dites Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Que ta parole, elle est efficace. Ta parole est efficace. Elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Je me soumets à elle. Je me soumets à toi. Je me repens. Je me repens. Tout cela en t'acceptant. En t'acceptant. Comme mon sauveur, comme mon sauveur, mon Seigneur. Mon Seigneur. Oui, merci Seigneur pour le pardon de mes péchés oh, Jésus. Et pour le salut de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. 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 En cas, priez pour nous conclure. Seigneur, nous avons béni au bon matin. Nous avons merci pour tout le monde qui suit l'émission Tala. Nous avons prié pour ça qui est malade, qui est dans la foi. Nous avons prié actuellement, papa, que. Là que yo malade, là yo ni mal. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin Seigneur que parole Seigneur qu'a touché yo l'esprit ou qu'a touché yo que meurtre sur ou qu'a touché yo et que yo qu'a attrapé la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions aussi pour ça qui perdit, ça qui pas connaît tout. Seigneur. Afin que yo fait la prière que frère moyen fini fait yo fait là en prière de repentance Seigneur. Afin qu'en retour que nous gagnions des témoignages de monde qui tente émission quel que soit Dieu fera et qui ouvert chez yo ba Jésus, qui croit à la puissance du sang de Jésus, qui croit à la puissance de mais Jésus et que vous trappez délivrance. Satan, nous avons venu contre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lié tout plan et nous avons chassé dans le nom de Jésus. Et nous avons libéré les cœurs, les âmes en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mes amis, merci encore. C'était quel que soit Dieu fera, l'Alliance des évangélistes, hein, les serviteurs Thierry Norbert et Jude Micard. Merci encore. Dirigez-vous à nous et que vous Dieu a béni. Amen, demain, amen, si Dieu veut, c'est qu'il y a encore l'autre équipe. Oui. Amen.
quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15, soyez tous au rendez-vous. Bonjour, bonjour auditeurs de KMT.